Coucou les gars, nous sommes de nouveau en vacances et nous sommes rentrés cette fois-ci en France, mais chez la famille de Louis. Du coup, nous sommes en Bretagne, trop contente, c'est trop cool. Hop là. Ah. Donc, on est arrivé jeudi du Portugal et en fait. On est directement venu ici à Etel, là où la famille de Louis a leur maison de vacances et qui loue aussi à la semaine. Donc on passe quelques jours ici, tout le week-end, et après on retourne un petit peu plus dans les terres, là où Louis habite vraiment pour voilà, passer quelques jours aussi tranquillement là-bas. Et puis on a plusieurs choses de prévues. Donc ce sera super cool de vous amener avec nous. Yeah! J'ai chaud! Il fait chaud en Bretagne là, non? Il n'y a pas vraiment de soleil, mais la luminosité, elle nique la gueule. C'est la Bretagne. Du coup, obligé de mettre les lunettes de soleil. Très breton ça. Là on est en Bretagne. Tu vois la barre qui ressort complètement là-bas. Genre c'est impossible de sortir du port aujourd'hui. Regarde, tu vois, entre les deux, t'as toute une bande jaune. Ouais. C'est la barre en fait. Vraiment, ça bloque la sortie d'arrière. On est dans le petit village d'Etel, il n'y a personne. C'est un petit peu bizarre, mais d'un autre côté, c'est aussi très agréable. C'est comme ça. Ouais. On a de la chance avec le temps en vrai. Trop bien la Bretagne. Ouais, la Bretagne, ça vous gagne. On va goûter, c'est spécial, la spécialité d'ici, de la Bretagne. Le Queen Amman. Queen
Queen Yaman. Queen. Queen Yaman. Queen Yaman. Je teste. C'est ultra sucré. Ah bah c'est ultra gras, c'est beaucoup de beurre. Hein. Trop bon. Validé. Le temps breton. Bon, du coup, j'ai pas trop filmé ces derniers jours parce qu'en fait, lundi, c'était l'anniversaire de Louis et il y avait absolument toute sa famille et quelques-uns de ses amis et on était beaucoup. Il faisait pas très beau, du coup, on était à l'intérieur de la maison des parents. Il y avait tellement de monde que j'étais un petit peu stressée pour la journée, tout ça. Je me demandais si j'allais réussir à être vraiment bien, à être vraiment moi. Est-ce que j'allais réussir à parler, à discuter un peu avec tout le monde? Les personnes que je ne connais pas, est-ce que ça va bien se passer, tout ça? Et en fait, ça s'est super bien passé. C'était un petit peu long, mais c'était vraiment super bien, mais aussi super fatigant. À 20h, j'étais morte. C'est-à-dire, je crois vers 21h, on allait se coucher avec Louis. Et vraiment, genre même dans le lit, je parlais plus à Louis. J'ai tellement parlé avec tout le monde dans la journée. J'ai tellement fait un effort pour être sociable, tout ça, que sans faire de pause tout du long de la journée, que ouais, j'étais vraiment genre fatiguée. Et là, on est quelques jours après et je suis encore un petit peu fatiguée. Mais voilà, c'était super bien. Louis était trop heureux d'être avec tous les gens qu'il aime finalement, avec toute sa famille, tous ses amis. Une petite victoire personnelle du coup, donc trop contente. T'as bien aimé ton anniversaire, Loulou? Moi c'est trop bien, mais toute la famille, les amis, ouais. Ça c'est du bien. Tous les gens que t'aimes. Ouais. Il n'y avait pas mes parents. Et il manquait certains de mes potes. Ouais. Je sors de la douche et en fait j'aimerais bien me recouper les cheveux. Parce que la dernière fois, quand je suis allée chez le coiffeur, elle m'a bien refait les mèches, la patine, tout bien. Mais je sais pas, elle m'a pas coupé les cheveux comme je voulais. Et ça faisait déjà 3 heures que j'y étais et j'en avais marre. Du coup, je l'ai pas forcément dit. Et maintenant, je regrette. J'ai pas forcément envie de retourner chez le coiffeur vu le prix. Là, j'ai quelques ciseaux. Je sais pas, Louis m'a sorti des trucs. Je sais pas. Oh là là, ça c'est pour effiler, je pense. Ça pour couper. J'en sais rien, je suis très nulle. Mais du coup, je vais essayer de me couper moi-même, juste redonner une forme. J'ai un peu peur quand même. Je ressemble à rien là. Comment on fait? Je sais pas moi comment on fait. Est-ce qu'on voit la différence? Beaucoup, mais voilà, je pense que je vais attendre que mes cheveux poussent un petit peu plus pour retourner couper chez le coiffeur et faire un dégradé un peu plus joli. Voilà.
Vous avez quand même des bonnes choses, la Bretagne. Je sais pas si vous m'entendez bien dans la voiture. Direction Mont-Saint-Michel. Ouais. Je crois que j'ai vu le Mont-Saint-Michel uniquement sur des paquets de gâteaux. Donc je suis trop contente de voir en vrai. La chambre de Louis, dans sa chambre d'enfant chez ses parents. Regardez ce que j'ai reçu, un ensemble Kitiwake que m'a gentiment envoyé Canel. Je collabore avec elle sur les réseaux et je suis trop contente, j'ai un petit mot, trop mignon, j'adore, incroyable. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit peu genre satiné. C'est super beau, c'est un vert sapin. Et il est genre super confortable. L'ensemble là que j'ai, c'est l'ensemble achat. Et c'est vraiment trop trop beau. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram pour voir le post et le contenu que je vais faire pour elle si ça vous intéresse. Et j'aurai aussi un petit code promo pour vous. On a quand même vachement de chance avec le temps. Mais regardez-moi ça, ce bleu. J'aime trop cette pièce. Avec tout plein de livres. C'est trop bien. J'espère que j'aurai ça aussi un jour chez moi. On aura ça, Loulou ? Une grande bibliothèque avec tous nos livres. J'ai mis mon vêtement breton. Ça y est, j'ai fait la valise. On était pas mal avec la famille de Louis. On est allé prendre le goûter chez les mamies, tout ça. Donc c'est des moments que bien sûr je n'ai pas filmé. Très contente de ce séjour en Bretagne. On a fait beaucoup de choses, on s'est beaucoup reposé.
Mais voilà, ça y est, il est temps pour nous de retourner au Portugal dès demain. On a notre avion, donc on part de Nantes à 13h45, direction Porto. On est content de rentrer au Portugal pour retrouver notre petite routine, notre petit appart, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que le Portugal en lui-même, moi j'ai quand même un petit peu le mal du pays, j'avoue. Ça fait tellement trop du bien quand on voit nos familles en France, que ce soit ici ou en Ardèche, il y a toujours un pincement quand on rentre, ou vraiment, genre les deux premiers jours, c'est un petit peu difficile quand même, d'autant plus qu'on n'a pas trop d'amis au Portugal. Je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est toujours un petit peu difficile. Après, le principal, c'est qu'on soit tous les deux avec Louis, donc tout va bien quand même. Voilà, de toute manière, j'ai plein de nouvelles collaborations, j'ai plein d'idées de vidéos, donc j'aurai de quoi m'occuper. J'ai perdu mon téléphone, alors que ma meilleure amie, Marie, gamin, vient de m'envoyer un message. Oh. Retrouvée. Elle m'a renvoyé des vidéos il y a très longtemps. C'est tellement drôle. C'est un cyclone. C'est pas possible. Oh punaise. Je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Instagram depuis cette époque, mais tellement drôle. Je pense que c'est pas très bon pour la peau. C'est incroyable. Moi, je pense que c'est très mauvais. Marie ? Ça me fait toujours autant rire.